On est dans le premier livre de Kisou Shulchan Aruch, dans la page Kuf Ein Tet Siman Tzadik, Alacha Yud Alef. Il dit le Rav, lo yitpalel mekom parutz kmo besadeh mipnei kshehu bemakom tzniut halav alav emat hamelech velibo nishbar. אם עבר והתפלל במקום פרוץ יצא ידי חובת תפילה, אולם מקום כף מחיצות, אך אינו מקורה, אין מניעה להתפלל שם. אני לא רב, on n'a pas le droit de prier dans un endroit qu'il est ouvert. Parouts, ça veut dire de tous les côtés. Comme par exemple dans un champ. Ok? Pourquoi? Parce que quand c'est un endroit qui est pudique, qui est fermé, qui est tsanoua, alors là il peut recevoir la crainte d'Hachem. Mais quand c'est ouvert de tous les côtés et tout cela, il est dans la campagne, quelle crainte il peut avoir? Ron? Parce qu'il est dans la campagne. Mais si maintenant, lui, il a prié dans un endroit qu'il est ouvert de tous les côtés. Quand même, cette fille-là, il est rendu quitte. Ça ne va pas dire avad, mais il est rendu quitte. Oula, mais par contre, si maintenant, il y a des murs, quatre murs, même qu'il n'y a pas le toit, quand même, il est rendu quitte. Et ça veut dire qu'il peut prier là-bas. C'est pas comme là dans le cas que c'est, il y a pas de mur, il y a rien du tout. Quand même, il y a des murs. Il peut prier là-bas. Vous venez à monter les balles de Chatzot, de Taknesset, de Chen Aminak, Pachout, de Palais, de Chavat, à Kodel Maharavi. Il dit, par contre, on peut prier dans la cour de la Beth Knesset. La cour de la Beth Knesset, c'est, il y a Minak de prier déjà là-bas. Et le minag, il est aussi de prier dans le côté. Là, tu vas me dire, voilà, il n'y a pas quatre murs. Mais oui, il y a le côté, il y a les murailles qui sont... Il y a comme un petit cadre là, comme ça, dans le côté, que on peut prier. Mais là, ça s'appelle aussi les khatri, là. Même que maintenant, tu vas me dire, attends, avant, quand c'était petit, le côté, il était très petit, le côté. Il n'était pas grand comme maintenant. Or, Hachem, il a grandi. Même maintenant qu'il aura grandi, quand même on peut continuer, on peut prier là-bas. Et aussi on peut prier, on peut aussi prier dans la Maharat Amarpela. À plus forte raison, si maintenant, Ils ont fixé un endroit pour prier là-bas. Ils ont fait soi-disant comme une sorte de Beth Knesset, il y a le Sefer Torah là-bas, le Echal. Mais là, c'est permis de prier là-bas. Et pas besoin d'être rigoureux, il nous dit Laurent. Le bonhomme dit rien que dans une Beth Knesset. D'accord, il faut prier dans une Beth Knesset. Mais il y a un endroit qu'au Simitpalelim, où aussi on peut prier là-bas. S'il y a une des Mechitzot, comme il faut. C'est bien fermé, comme on voit dans les Kibret Sadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, dans Kever Shimon Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Kever Kever Rachel, dans le Kever Rabbi Meir Balanes, Kever Shimon Asadik, Kever Shimon Anavi, le Kever Tsebazé. Puisque c'est fermé, ils ont fait, soi-disant, ils ont mis comme une sorte de bêtise, ils ont fait la bâche, quand même c'est foutard. Aucun problème. Ils peuvent s'arrêter dans le coin et prier.
Bassadé, même dans le champ. Même dans le champ. Et ils sont au vrai de Rahim. Il y a beaucoup de coulottes dans le vrai de Rahim. Comment c'est possible que lui, il peut manger son pain? Marana Chapadrouk, il a dit que tu peux faire le Netilat Yadayim à la maison et continuer à manger dehors. Manger dehors, ça ne veut pas dire maintenant que lui va commencer à prendre son pain et il va marcher et manger son pain comme ça. Il prend son pain dans le coin, il s'assoit, il peut continuer à faire, à manger suite à la bracha qu'il a fait chez lui à la maison. Et pas, ça veut dire pas que lui maintenant lui prend son pain et puis il mange comme ça. Ça c'est par minhag, ça s'appelle achilat kelev. C'est pas sous les doutes. Il n'y a pas de temps respectant pour la bracha, Mouti et... Attends, il faut pas prendre, il faut pas prendre le temps que... Il faut pas dépasser le temps. Une petite demi-heure. Hein? Ah, pourquoi il ne fait pas sur place la bracha? Il faut arrêter la bracha. Au moment de manger le ton pain, il fait la bracha. Il fait la bracha, on parle qu'il fait la motzi. Pas qu'il a fait un motzi. Oui, il a fait à moitié chez lui à la maison, à condition de sortir dehors, continuer dehors. Oui, mais il y a un temps à respecter. Oui, mais il a fait à moitié à la maison. Ah, il a mangé. Il a mangé. Ah, d'accord. Il a fait un morceau. Ah, il a pris un morceau. Il a fait à moitié. Non, moi je croyais qu'il avait fait la bracha à la maison. La bracha, la bracha. À moitié. Pas sans, mais sans manger. Non, il a mangé. Il a mangé dehors. Il fait des diadèmes à la maison. Okay. Il fait un motzilehéminaaretz à la maison. Il prend un morceau, en condition de sortir et continuer dehors. Ouais, il met ça et le rabbinion lui a la chose de ça. Il dit, il faut qu'il fait montrer qu'il sort. C'est pas qu'il s'installe. Fais un motzil, mets ton manteau et sors. Et continue où tu, par exemple dans la voiture, dans le bus. Il a pas ça avant là, non? Il a fait où? Où il a fini de manger? Hein? Où il a fini de manger? Il n'a pas là où il a fait la bracha, il a mangé un petit bout. Parce que ça s'appelle Oche de Rachim. Oche de Rachim, c'est ceux-là qui sont dans le chemin. C'est un cas exceptionnel, ça. Il n'est pas obligé de revenir. Il est pas, non, parce qu'il fait la Birkat Amazon où il a fini. Ça s'appelle Oche de Rachim. C'est celui-là qui va au chemin. Tiens, il nous dit. Même si maintenant il se trouve dans le champ, il n'y a pas un issou de ne pas prier dans un endroit que ce n'est pas fermé. Et là, il ne faut pas prier, on n'a pas le droit de prier. Et quand il y a des arbres, c'est conseillé que lui, il prie entre les arbres. Pas devant un arbre. Et par contre, faire attention, quand lui il prie dans le chemin, que lui qui se met dans le côté du chemin. C'est pas qu'il se met, par exemple, il y en a qui se met, il y a la route, ok, et dans la route. Non, mais juste à côté. Alors maintenant, les gens qui passent, ou le trottoir, se met sur le côté, les gens qui passent, ils vont le perturber. Il faut qu'un homme, que lui, qui prend sa précaution de pas prier dans un endroit qu'il y a des gens qui peuvent le perturber. Comme maintenant il a un choix, ou de prier dans un endroit qui est ouvert de tous les côtés, ou de prier dans un endroit qui est fermé sans fenêtre. C'est mieux pour lui qui prie dans un endroit qui est fermé sans fenêtre. Même qu'il est sombre. Af, Sheru, Afel. Afel, c'est sombre. Mitzvah la route sur l'air avec la gnezet de la chen. Vechen le chol d'avoir mitzvah. Je n'ai marre de faire le date de Shem. La fille de Shabbat, Shasu, Lipsop, Si Agassa. וכל שכן שיש להיזהר לעמוד באמצע הדרך לשוחח עם חברו באיזה חפציו, חפצי עצמו. כי על ידי זה מצוי שיאחר לבית הכנסת, ויש אומרים שעיקר הריצה היא כשהוא קרוב לבית הכנסת, ולא כשהוא בביתו. זה אז ניכר שרץ לצורך המצווה.
יש אומרים שהערוץ כבר משעה שיוצא מביתו, כשיגיע קרוב לבית הכנסת ימהר יותר. נודי לרב, מצווה דקוריר כאן יבוא לבית הכנסת. זה מצווה. Aussi, qu'est-ce qui concerne chaque mitzvah? Il veut faire une mitzvah qui court. Il ne faut pas être zélé. Il faut courir pour la mitzvah. Mais il faut réfléchir avant. Ce n'est pas que lui, il se. Okay? Il faut qu'il ait une réflexion avant. Pas qu'il faut aller pour faire une mitzvah, je parle. C'est pas qu'il ait quitté la mitzvah stam comme ça. Il a fait précipiter. Et il faut qu'il fasse vite. Avec réflexion avant, et après coup. Okay? Ça s'appelle Zrizout. Comme c'était dit, Nerdefa la date d'Hachem. La fille ou be Shabbat, Chassou, Lifsoap, Siakasa, même quand dans Shabbat, c'est assourd de faire des grands pas. Il faut savoir, la Gemara dit, 1/500 de la vue, elle se perd parce qu'un homme, il fait des gros pas. Rabbi Meir, il dit dans la Gemara, et Rabbi Meir Amar, Ner Marziratan. Quand le fait que tu fais le kiddush, Shabbat, la nuit, on parle de la nuit, tu regardes les bougies avant de faire Sabri Maranan, Yom HaShishi V'Echol Shamaim V'Arez V'Echol Tseva, d'accord? On regarde les bougies, la bougie, elle rend la vue. Il y en a qui disent c'est Kosh Bracha. La Gemara, le Bet Yosef, lui, il emmène la Gemara, il explique de quoi il s'agit. Est-ce que c'est Ner ou c'est Kosh Bracha? De toute façon, la Maskana, c'est il regarde, quand il dit Yom HaShishi, il regarde les bougies. Après qu'il dit, il a vu les bougies, quand il dit Savri Maranan, il regarde le verre. Parce que c'est Hatet Enav Bakos. Donc il met les yeux dans le verre quand il fait, quand il va faire pour repris à Geffen. C'est pas qu'il fait pour après Geffen et cette télé ailleurs. Ça va Maranan, il regarde Boré, Péri, Geffen. Il pense à rendre quitte tout le monde. Et tout le monde, il faut qu'il pense se rendre quitte. Après Maranan, je vous rends à qu'il n'a pas rendu quitte son ami, son prochain. Eux, ils ne sont pas rendus quitte. Quand il dit Sabri Maranan, ça veut dire prenez attention. Je vous rends quitte. Et eux, ils pensent à se rendre quitte. Okay. Il dit, mais quand je sais la plus grande raison, chez Yeshlizer, fais attention de ne pas se tenir debout au milieu du chemin et parler avec son ami, avec n'importe quoi d'autre. Il va à la Bet Knesset, au lieu d'aller à la Bet Knesset, il s'arrête au milieu et il commence à discuter avec son ami. Dis-lui, ça fera tava les maretav, en araméen, ça fera tava. Et parce que s'il va commencer à discuter avec son copain, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'oublier, il va pas y aller, il va venir en retard. Il va venir cette Zvan Kachema, Zvan Fila. Il y en a qui disent que l'essentiel de courir à la Bet Knesset, c'est quand il est proche de la Bet Knesset. Pourquoi? Parce que quand lui il sort de la maison et il court, tout le monde voit que lui il court. Pourquoi? Peut-être pour rentrer le bus. Peut-être pour autre chose, mais quand lui il est proche de la Bet Knesset, c'est sûr que lui, quand il court pour y aller à la Bet Knesset. Deaz nika sheratz etzorech hamitzvah. Yesh omrim sheyarutz kvar mishaa sheyotze mibeto. Il y en a qui disent qu'à partir que tu sors de la maison, il faut que tu cours. Et quand il arrive, et que sheyagia karov le Bet Knesset, il maher yoter. Et quand il va arriver devant la Bet Knesset, il va faire plus vite. Azakobaou. Okay.